Good morning, Alayid, and this is aujourd'hui le Lunishmat, François Frégé Ben Chana, Janine Rune, Pat Fortune, Mazal Fritna, Klosh Lomo Ben Shalom, Ishaya Ben Neda. Si vous souhaitez vous céder d'une prochaine étude de Lunishmat, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Rabbi Eliezer Omer, Aoset Filato Keva, En Filato Tachanunim. Rabbi Yoshua Omer, Amealer Bimkom Sakana, Mitpelet Filakzara, Omer Hosha Hashem, Et Amecha, Et Sheherit Israël. בכל פרשת העיבור יהיו צורכם לפניך, ברוך אתה השם שומע תפילה. Je traduis la première phrase qui apparemment n'a pas de rapport direct avec la suite de la Mishnah, mais en réalité c'est l'introduction profonde pour les trois prochaines Mishnayot. Rabbi Eliezer Omer, Aoset Tfilato Keva, En Tfilato Tachanunim. Rabbi Eliezer nous dit que Aoset Tfilato Keva, celui qui fait sa tfila comme un keva, quelque chose que j'ai oublié de faire, un devoir ponctuel que je dois faire, mais sans cœur. Eh bien, en tfilato tachanunim, sa tfila n'est pas tachanunim, ça veut dire en ba chen. Le mot tachanunim, ça vient aussi de l'imtso chen. En ba chen, elle n'est pas agréée devant Hachem. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu vas faire une tfila, il faut absolument que tu mettes du cœur. Il faut que tu éveilles ton désir qu'Hachem te comble tes besoins et que tu les demandes. Et c'est le minimum de kavana nécessaire pour avoir une tefila avec allure. D'accord? C'est un conseil, mais c'est bien plus qu'un conseil en réalité, c'est une halakha concrète. Comme ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, et pour aussi les prochaines Mishnayot, des situations où un homme est concrètement n'a pas la possibilité de se concentrer et de faire une tefila normale. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, si vous vous rappelez, on avait vu ça aussi, que celui qui veut lire, on ne peut pas faire une tefila quand on est perché sur un arbre, ou quand on est perché en haut d'un mur parce qu'on n'est pas stable. On ne peut pas se concentrer, on ne peut pas prier. On ne peut pas être en position agréable si on n'est plus en position d'accord de s'ouvrir et de se lier à Hachem, de lui parler clairement avec cœur. Si on est en position incertaine, instable, on peut tomber, ou encore avec la suite de la Mishnah, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua nous dit, « Amelech bimkom sakana » celui qui va dans un endroit dangereux, il est en plein désert, ou en train de passer à côté de villages où il y a des ennemis ou toutes sortes de gens qui peuvent l'agresser. Donc il n'est pas posé tranquillement. Il n'a pas la possibilité de s'arrêter pour dire cette fille-là. Et il ne peut pas non plus faire cette fille-là pendant qu'il est en train de marcher. Ça n'a pas d'allure. Alors qu'est-ce qu'il fera? Mitpalel tfila tzara. Il devra faire une petite fille-là pendant qu'il marche. C'est-à-dire que là, dans ce cas précis, on parle qu'il n'a pas la possibilité de s'arrêter, de faire cette fille-là nulle part, de manière tranquille, posée. Et du coup, la Mishnah me dit, ben, pendant que tu vas marcher, tu vas faire une petite tfila, tu es pour le moment dispensé de tfila, et dès que tu auras la possibilité de te trouver dans un endroit plus calme, tu referas enfin ta tfila, si c'est encore l'heure, et si c'est raté, c'est pas grave, tu étais dispensé. On a donc le premier cas, mitpalel biyokom sakana, celui qui va dans un endroit dangereux, mitpalel tfila tzara, il devra faire une petite tfila, raccourcie, Omer, et il dira comme ça. Alors, on va traduire cette tfila. La tfila, c'est Osha Hashem et Amecha et Sheherit Israël. Bechol Parashat Haibur, Yutzor Keem Lefanecha, et Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila. Je traduis d'abord la tfila qui doit dire Osha Hashem, sauve Hashem et Amecha, ton peuple, et Sheherit Israël. Le peuple d'Israël, fidèle, resté. Qui est demeuré rattaché à toi. Bechol parashat ha'ibur. Alors là, c'est une phrase un peu compliquée. Le partenaire, il explique. Parashat zekshem porshim, ibur avera. Quand, et même lorsqu'ils vont aller faire des averot, eh bien, yutzor kem lefanecha, fait que leur besoin soit devant toi, devant tes yeux, pour que tu les leur combles malgré tout. C'est une fila très forte, parce qu'on est en train de dire, en fait, Hachem. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont pris spécialement à cet endroit-là de cette manière, mais en tout cas, le contenu de la fila, il me dit. Il dit, Rebono Shalom, on a tous besoin de toi, on est incapable de rien faire sans toi, même lorsqu'on ne fait pas ta volonté, même lorsqu'on ne fait pas d'avrot, s'il te plaît, regarde nos besoins et comble-les. Baruch Ata Hashem, Shomei Atevila, et donc on conclut avec, Baruch Ata Hashem, sois béni, source, Dieu est source de bénédiction Hashem, Shomei Atevila, qui écoute notre filote. Comme ça, c'est rapporté dans la Mishnah. Le Barthénora nous dit que concrètement, il faut dire une autre fila. Et on fera cette autre fila pendant qu'on est en train de marcher, sans faire les trois brachot, l'ishonot et les trois brachot avronot. On dit juste, on dit la phrase qu'il nous rapporte le Barthénois de dire, c'est Tzorke Amecha Merubim, il ne rapporte pas la suite, bon je ne la connais pas heureusement.
Torke Amecha Israël Merubim, les besoins de ton peuple Israël sont nombreux, Vedaatem Katsra Milevakesh Aleem, quelque chose comme ça, ils ont j'ai plein de besoins et je ne sais même pas comment les demander, quoi demander tellement que j'ai des besoins, s'il te plaît Hachem, comble-les. D'accord? C'est la tefila qu'on fait, qui rapporte le Bar Tamura. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.